Mais... Ah, du coup, on va aller faire dans l'ordre. Je vais commencer par, montrer le petit bras. Ouais, pas du tout. J'ai chaud au pied. Alors il se charge pas ce petit League of Legends là. Ça serait pas mal que tu te charges mon petit pote, qu'est-ce que t'en penses? Coucou Mr. Joe's, j'espère que ça va. Ah ça y est, ça arrive. Et coucou Kelpistover. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi malgré tout. Alors moi j'ai écrasé parce que j'étais assez fatigué, même si j'étais un peu perturbé. J'ai pas mal, je crois que mal dormi. Ouais, ça peut aller, j'imagine. Pour ça, ce soir, ce que j'ai expliqué sur Facebook et Twitter, il y a plusieurs streamers, modérateurs, etc., qui ont dit je streamerai pas ce soir, machin. On réagit tous un petit peu. Un petit peu différemment effectivement face au deuil, face aux épreuves de la vie. Moi je sais que j'ai perdu mon père il y a quelques années et j'ai pas voulu j'étais à l'école à cette époque et il y avait le choix entre dire bah tu peux ne pas aller à l'école pendant quelques jours etc. Et j'avais pas envie de ça, j'avais pas non plus envie que les gens me plaignent en disant voilà mon pauvre etc. C'était pas je voulais pas oublier pour autant. Mais j'avais pas envie de me laisser abattre et d'être. Donc là, j'ai personne qui a été touché directement, je crois. Par les événements d'hier. Mais ça m'affecte quand même beaucoup parce que je me mets à côté de la famille, etc. Et malgré tout, j'ai pas envie de me laisser abattre et puis surtout, je me dis que le rire. Sans aller jusqu'à faire la grosse stuff, mais le rire et essayer de se changer un peu les idées, c'est pas forcément une mauvaise réaction plutôt que de se voir fondre. C'est pour ça que j'ai fait un stream, donc là j'en parle juste maintenant. Et après on partira sur une note un peu plus joyeuse, mais du coup j'ai quand même envie de stream pour si jamais il y a des gens qui se sentent seuls, qui se sentent pas bien, qui ont envie juste de se détendre, d'oublier un peu autre chose, de se vider la tête. Bref, voilà. C'est fini pour la petite introduction, la petite explication rapide. Nous avons donc. Brome, cœur de lion. J'étais assez content de voir un petit Brome, on dirait un petit peu un petit mignon, limite. Perso, j'habite à Toulouse, désolé, j'y suis. Ouais. Et moi aussi, j'habite loin, qui est toxique, mais ça m'empêche pas de me dire que. Que ça pourrait. Bon, alors, surtout, c'est vrai que c'est Paris qui est souvent touché parce que c'est la capitale machin, mais ça pourrait arriver un peu n'importe où. Et puis, on n'est pas à l'abri de. Je suis désolé, ça ressemble tellement au petit mignon là. J'espère qu'on va pas trop les confondre. Mais très bref. Donc un petit Brome, cœur de lion avec un très très beau bouclier. Beaucoup de détails comme, bah, comme là, les derniers skins. Vraiment très joli. On dirait un petit Richard, cœur de lion. Nous avons donc Control 1. Oh, trop mignon! Trop mignon! Ah, mais alors, par contre, je vais faire un truc. C'est que au niveau de l'interface, c'est quoi l'interface? On va virer les pseudos chez mon indicateur. J'en ai pas besoin, comme ça on le voit mieux.
Il est trop mignon le petit poro avec son casque. Alors, contrôle 2. J'aime bien l'effet de particules au niveau de la bouche, ça rend plutôt pas mal joli. Contrôle 3. Et après ça change beaucoup. Ce n'est que un skin 750, donc en fait je pense que les animations de sort ne vont pas changer. C'est juste le skin du personnage. Donc ça va probablement être un cœur. Enfin, par exemple, le Q-spell, ça va être le bleu classique, je pense. Sincère condoléance pour ton père entre autres. C'est gentil, mais c'est il y a longtemps, c'est gentil. Ouais. En fait, j'en reparle un petit peu parce qu'il y a ça, et puis récemment j'avais oublié depuis longtemps parce qu'il y a tout. Enfin bref, c'est un compliqué. C'est juste que très récemment, aujourd'hui, j'ai retrouvé une partie de la famille du côté de mon père avec qui je n'avais plus du tout de contact, et ça m'a permis. De Toulouse, mais je suis dans un village paumé. Oui, bah c'est la région de Toulouse, hein. On peut tous explorer en géographie. Donc voilà, donc on voit que le Q-spell c'est le même que le classique. Le bouclier, ça va être le même. Ouais, c'est le même. C'est le même que le skin classique. Ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être le bac, éventuellement, qui va être un peu différent. Mais du coup, ça va aller assez vite hein, sur les skins à 1650. On va attendre quand même de voir. Je sais même pas si ça vaut le coup d'attendre l'ultime, sur mon avis, ça va être la même chose. Là, c'est vraiment juste pour voir la tête du petit bonhomme, du petit brome. Oh. Si je saute là-dessus, ouais, ça change. Je pense que je vais pouvoir attendre un petit peu. Ah oui, j'ai entendu dire pourquoi il m'attaque toujours lui. C'est quoi? Est-ce que l'animation du recall? Alors, je serais incapable de dire si. Non, je crois qu'elle est différente quand même. Je crois qu'elle est un peu différente. J'aime bien son petit écusson et tout, il est pas mal. Par exemple, c'est un bon brome chevalier. C'est dommage que ça soit 750 parce que du coup il est beau, mais ça aurait été pas mal que notamment le Q-spell soit une espèce de. Tout simplement la tête du bélier qui part, un truc comme ça. Mais il est joli. Sinon, tu m'as répondu pour le champion que je prends. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Attends, je regarde, tu m'as dit. Alors, j'hésite. J'hésite entre le blanc, Vegar, Jinx, Caitlyn. Harry, Karma, Fiora. La vache. Bah écoute, j'ai envie de dire, ça dépend ce que. C'est pas toi qui avais testé Karma la dernière fois au mid et qui a dit oh là là, plus jamais, machin, ça va être une noire. Bon alors, donc ça, j'ai fini la présentation du bro. Y a pas grand chose à montrer à part la tête du perso, donc plutôt sympa. Entre le blanc, Veillard, bah ça dépend si tu veux jouer mid, t'as le blanc, Veillard. Après, ça aussi dépend de ton niveau, je sais plus si t'es. De quel niveau tu es. Tu pourrais tester le rework de Caitlyn qui est vraiment pas mal du tout. Le problème ne sera jamais réglé tant qu'on ne fait pas le ménage sur le territoire en fait. Ouais, ça c'est compliqué parce que là, du coup on part vraiment en guerre dans ce cas-là. Alors, on va continuer sur les skins à 750. Alors, je vais remettre là. Les skins à 750. Il y a Twitter, FSW, on n'a pas besoin. Alors, il y a quoi? Un petit Gragas. Cask Breaker. Petit Gragas, Cask Breaker. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Tu as vu ce qui s'est passé à Paris? Coucou Little Tug, bien sûr. Bien sûr, j'étais en stream hier quand c'est arrivé. Alors, j'ai pas suivi. J'ai pas fait tourner les infos en boucle. Si c'est toi qui paye, ça roule pour moi. Parce que je sais comment c'est la déloge, c'est montre les images en boucle en mode un petit peu. Comment ça s'appelle? Curiosité morbide, etc. Ça m'intéresse pas du tout de. J'imagine déjà suffisamment ce qui s'est passé et la souffrance des victimes, des familles et tout. J'ai pas envie
Ah oui, alors vous voyez, c'est vraiment horrible, oh là là. Enfin, ouais, ils en rajoutent beaucoup, les visages, ça m'intéresse pas ce genre de choses. Donc voilà, bon, j'ai suivi, effectivement, je sais ce qui s'est passé, mais après, j'ai pas non plus Cask Breaker. Alors, j'ai 6 semaines comme débuté, la prochaine fois, il faudra que je fasse autrement. C'est un peu vite. Bah, ça va, j'ai pas mal de pays, tout va bien. Cask Breaker. Alors, ce que ça donne. J'ai cru entendre Zizi. Zizi. Où ça? Où ça t'a entendu Zizi? Quand Gargas parle, je dis. Ah, d'accord. Alors, brasseur solaire. D'accord. Parce que j'allais dire. Ok, donc en français, c'est brasseur solaire parce que casque breaker. Casque en anglais, ça veut dire chute ou tonneau. Donc, casque breaker, ça veut dire tout simplement briseur de chute. C'est parti! Ouais, ah oui, d'accord. Ah, ils sont en mode vraiment chevalier. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qui est sorti récemment, s'il y a un jeu chevalier ou je sais pas quoi. Mais d'accord, donc c'est un bon gros moine, enfin, un bon gros chevalier moine qui va bien se peinter la gueule. Très bien. Un bon gros alcoolique. On dirait un peu Bignon Saké ou un truc comme ça. Bref, donc là c'est pareil, je pense que les animations de sort vont pas changer beaucoup. On va partir assez vite sur un autre perso, mais on va faire les animations en contrôle 1. Le problème avec l'alcool, c'est que je renverse. Ok, ça va, contrôle 2. On est sous la table avant moi. Les skins sont quand même travaillés, parce que quand tu vois, quand tu tapes sur le ventre, t'as la petite onde de choc sur le bidon, c'est. Enfin, sur le ventre, c'est. Contrôle 3. Je sens bien le mettre sur le bout. Contrôle 4. Alors, c'est. D'ailleurs, c'est, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je t'entends dire. Je suis passé aujourd'hui sur. Chez Boulanger. Et j'ai vu des PC ROG, là, les mini PC. Les mini PC de gamer et G20, je sais pas quoi. Ils sont assez jolis, ça donne pas mal envie. Moi, je suis plus de team. Alors. Donc, l'animation du sort, je pense que ça va être assez différent. Mais c'est ce qui me ressemble trop à Gragas sans skin. Ouais, un petit peu, voilà. C'est... Donc tu vois, tu fais. What? Bon, il est tonsuré, très bien, mais à part ça. Disons que. Un petit peu décevant, enfin pas décevant, il faut bien les skins un peu pour toutes les bourses, mais tant qu'à faire d'en avoir fait un petit. Soit ne pas en faire du tout, soit. Après, il pouvait pas non plus faire que des skins super originaux non plus. Et c'est vrai qu'en fait, le Gragas, on le voit bien en moine. En bon moine bien alcoolique. Si, si, un petit peu quand même, il ressemble un peu. Si tu as la preuve, c'est que tu l'as dit de loin, tu dis, mais ouais, il ressemble. Il ressemble beaucoup. Donc la seule chose qui change, c'est qu'évidemment, le bidon ressemble au bidon que tu portes dans la main. Donc, de ce point de vue-là, voilà, ça change, par ça. Les hôtels sont dérouillés dans 30 secondes. Du coup. Ça change un peu. Gant a l'air cool, mais il est cher. Gant. Désolé, j'ai coupé stream trop de IPS dans ma game. Pas de soucis. Ah, bah si t'es en game, c'est gentil d'être passé. Mais merci, bonne chance pour ta game. Bonne chance pour ta game, et puis à tout à l'heure peut-être, si tu repasses. J'ai pas vu le Gnar, j'ai. En fait, si, j'ai pas. En fait, je l'ai découvert vraiment en même temps que vous, sauf le Brom, où j'avais un petit peu regardé, parce que comme il était marqué au début du PBE, il était marqué Brom et Tigre. What? Ça peut être un Brom du Tigre, au début. Je voulais voir ce que c'était. C'est le cœur de loup. Et je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs en français, j'ai pas fait gaffe. Alors. Est-ce qu'il va me venir dessus? Oh, j'ai oublié de faire un truc. Je suis un peu d'une réactive un peu. Bon. Ah oui, tu. Oh la vache, c'est lui là. Il...
Ok, nice. Et on va pouvoir back tranquillou. Alors, est-ce que le back est super, super original ou pas? Alors, dans le genre, j'en ai rien à foutre de faire des animations de back, je vous présente le mec qui a fait le skin de Gargas. Voilà, voilà. Donc, c'était une animation travaillée. Très travaillée. Bon, le Gnar et le Gargas, c'est sympa, mais à part vraiment les fans de moines du Moyen-Âge, je suis pas sûr que. Enfin, c'est pas un moine d'ailleurs, c'est un chevalier, mais on a plus l'impression que c'est un gros moine qui part en guerre pour. Mec, si tu aurais gagné 1 million d'euros, tu fais quoi avec? Un million d'euros, je suis pas très original, je pense. Je m'achèterais une baraque. Je m'achèterais une Tesla modèle S. Parce que je kiffe cette bagnole. Je m'achèterais un pur environnement de stream. C'est-à-dire, je me ferais un PC, un bon PC de gamer. Je m'achèterai les loupiottes qui vont bien, donc les deux spots. Alors ça, je veux dire, je pourrais le faire même en n'ayant pas gagné au loto, mais ça reste quand même un petit peu cher encore. Je crois qu'un bon kit d'éclairage, c'est 130 euros avec deux spots sur les côtés, un spot sur au-dessus, un fond vert qui serait un vrai fond vert, parce que celui-là, il est joli, mais tant qu'à faire, je mangerai un beau drap bien uniforme, etc. Avec un bon casque, parce que le casque là, qui me défonce la tête, c'est chaud. Du coup, par exemple, la maison, j'y mettrai suffisamment pour avoir une jolie maison avec peut-être de la domotique, des choses comme ça. La Tesla S avec toutes les options que je veux, c'est aux alentours de 150 000 euros. Et je pense qu'après, je vais peut-être le permis pilote d'avion pour faire des balades en avion. Et puis des petits Arduino, des petits trucs électroniques à bidouiller, faire des soudures, des petits montages électroniques, etc. pour m'amuser. Ce genre de choses. Et puis après, je pense que je mettrai sur un compte et je continuerai à travailler. Parce qu'un million d'euros, en fait, je suis pas sûr que tu puisses t'arrêter de travailler. Et puis, je sais pas si j'aurais trop envie. Je pense que j'achèterai un autre appart un peu plus petit qui me ferait un loyer, un revenu régulier. Et voilà. Je serais pas bien original, je n'achèterais pas des chiottes en or ou un truc comme ça. Je serais relativement classique en France. Dans un premier temps, après peut-être que j'aurais une folie, mais 1 million d'euros, tu peux pas non plus te dire je vais faire le ouf et tout, parce que sinon tu claques tout et tu te retrouves plus rien. Et si par exemple t'as claqué tout en conneries et que par exemple tu t'es pas acheté une baraque ou un machin ou que t'as pas mis de côté, tu risques d'avoir des beaucoup plus gros problèmes que ce que tu pouvais avoir avant. C'est difficile, je pense, de se dire waouh, j'ai un super truc, mais en même temps, non, mais pas trop. Un livre de Sweet Ball, c'est celui-là. J'attends. Donc, Sweet Ball, donc ça va être sans doute le successeur du petit tireur au carreau en forme de cœur. Sweet Ball, c'est l'arc. Rapide vers l'arc du. Allez, un voleur Varus Rodeur. Voilà ce que ça donne en jeu. Parce que t'as gagné un million d'euros, Little Tug, et tu sais pas trop quoi ce que tu veux faire. C'est ça. Donc tu veux des conseils. Coucou Arcane, pardon. J'espère que ça va. Et donc, oui, si je ne saurais trop te conseiller de. Ah merde, je suis parti en. Bon, parce que bon, je gagnerais moins les niveaux. Moins facilement, je suis débile. Hop. Alors, il y a le vide. Ça a l'air d'être on dirait un peu un talon quand même. Hein. Je veux pas critiquer, mais. Bon, je pense que l'orientation est plus Robin des Bois, mais. Ah oui, je suis toujours en attente. Bienvenue dans la faille de l'invocation. Alors, on est parti. Une fois n'est pas coutume, je suis sur la feuille de l'invocateur. Contrôle 1. Ah oui, c'est un Robin des Bois, mais un petit peu elf quelque part. D'accord, en fait c'est pour voir la Warcraft qui ont fait le truc. Contrôle 3.
Mais il est joli par contre, pour un 750, il est pas mal, et il change un peu, parce que d'habitude, enfin un peu, là au moins, il change pas mal, je trouve, et contrôle 4. Ouais. Avec 1 000 000 €, j'achète des skins, oui, et puis évidemment, je m'achète les skins de l'homme, etc. Parce que mon père, aujourd'hui, il a gagné 200 000 €. Sérieux? Les sbires sont apparus. Ah putain. Après, ça dépend quelle est la situation de ton... Sérieux? C'est pas des conneries? Ça va bien, j'ai pas mal dormi malgré les événements. Et j'ai décidé de stream comme j'expliquais au tout début, parce que chacun réagit différemment et que moi je préfère essayer de me vider un peu la tête que de me morfondre de dire. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de. Il y a pas beaucoup de changements sur l'animation du sol. Je suis en train de me faire taper. Oh, j'ai tout eu, je crois. Je suis un ouf. Après, si c'est pas des conneries, ça dépend de la situation de ton père, s'il est déjà propriétaire ou pas. Mais s'il est pas propriétaire, je suggère très fortement d'essayer de chercher quelque chose. Après, pas forcément de tout dépenser les 200 000. Directement, par exemple, s'il a une maison, de se dire, enfin, s'il peut s'acheter une maison et que. Voilà, il peut. Bon, après, son père, je pense qu'il est suffisamment bon aussi, mais. Moi, je serais. Parce que 200 000 €, ça reste. C'est bien, c'est clairement bien, ça permet bien, mais ça permet pas de changer de vie du jour au lendemain. Donc, si t'es pas propriétaire, je pense que. Soit tu payes tout d'un coup un appartement, mais ça ne fait plus rien. Vaut mieux arriver, à mon avis, à la banque en disant bah voilà j'ai un apport de temps en disant bah par exemple je mets 100 000 et puis tu payes un crédit mais tu perds moins longtemps ou alors tu t'achètes une belle baraque mieux que ce que tu aurais pu faire en disant bah voilà j'ai un peu d'argent de genre tu prends le crédit comme ce que tu avais prévu de faire quand tu avais prévu de rentrer sur 20 ans ou autre machin et du coup tu fais la même chose sauf que tu as un apport initial de 200 000 du coup tu te mets avec une baraque qui vaut 200 000 de plus donc ça te met bien pour tes enfants etc ça peut être une chose. Non je te jure l'auto il m'achète une télé et une PS4 il a fait un studio au lieu d'une cave. Et j'ai déjà une maison assez grande, mais bien sûr, c'est pas comme si t'avais mis les 11 roulants. Il a fait un studio au lieu d'une cave. C'est bien. Ah, parce que là t'es encore actuellement chez tes parents. Et en fait, vous avez une cave dans la maison, c'est ça? Et il en a fait un petit studio pour toi, pour que tu sois un peu tranquille et indépendant, c'est ça, d'un côté de la maison? Bah écoute, bravo à toi, parce que si c'est le cas. Parce que c'est pas mal, je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'aussi proche, entre guillemets, de... Enfin, c'est la première fois que j'entends quelqu'un tout court, qui a effectivement gagné une bonne somme au loto. Et en plus, c'est d'autant plus rigolo que ça soit quelqu'un de proche de... Je m'entends. C'est-à-dire que je t'ai vu, en vrai, je t'ai serré la main, j'ai serré la main d'un futur gagnant. C'est la classe. Mais du coup c'est cool si. J'ai déjà une maison. C'est bon. C'est pas toi qui as une maison, c'est lui, c'est bien ton père. Ça c'est cool ça, mais écoute, ça c'est bien ça. En plus avec les événements de la science, ça c'est un petit peu de bon au cœur, alors l'argent n'achète pas tout, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et le blanc, j'espère la jouer en fait. Bah écoute, le blanc, c'est difficile à jouer. Mais c'est vrai que bien jouer, ça peut être fort. Mais alors, il y a de bonnes chances que tu ruines les games pendant un long moment avant d'être vraiment efficace avec. Donc après, ça dépend. Donc si tu veux tester en mode classé, bon, par contre, je parle, mais je suis pas là pour farmer en fait. Mais oui, j'essaie de. On est d'accord que le petit pote là, le petit rôdeur, il a pas des animations, il a des animations on va dire classiques, sa flèche elle est pas différente de d'habitude, etc. C'est un menteur, en gros c'est mon petit frère qui a pas fait ça. Ah mais ça pourrait être
Bon, la flèche est pas fait exactement pareil que... Exactement pareil. Alors, est-ce que le bac est différent? D'accord, c'est le même mec qui a fait le skin de Nergas. Qui s'est dit, j'en ai rien à foutre de l'animation. C'est un skin à 750. Allez vous faire foutre. Mort de rire, c'est un fouillis. Écoute, on sait jamais, mais en gros, le reste, il va être de côté pour plus tard et je crois que je vais lui demander de l'argent pour te faire des dons. Et alors, en fait, vous êtes deux connectés sur le même compte, sur deux PC différents, ou alors t'es schizophrène, c'est quoi l'histoire? Et il a dit non, je te jure, au loto. Je te jure, hein. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il dit je te jure, je ne peux pas te croire. Si c'est un mensonge que tu as, c'est quand même dommage de casser cette confiance qu'il y avait entre nous. Bon, donc le petit Varus est pas bien différent. Un petit peu décevant. Ensuite, y'a qui? En skin. Oui, on a le même coup. On va faire tous ceux qui sont. On va finir le Rise au Crystal Noir qui est à 750 et puis après on va être un peu plus content d'avoir des persos avec. Allez, vas-y, clique. Toujours mon problème de double clic, faut que je forme mon PC, ça va être du but. Rise. Allez, allez! On va plutôt partir sur un cariapé du coup. Rise. Tribal, merde, j'ai loupé. Whitebeard, la barbe blanche. Ils vont sortir un. Lui, il a bien une gueule de moine. Mais il dit n'importe quoi, donc en gros, Android, arrête de te poser des questions, tu vas donner 100 euros devant. Ah, du coup, c'était lui la dernière fois qu'il disait n'importe quoi sur le stream. Oui, effectivement, je pense. Tu peux passer un peu le son de ton lobby, please. Oui. T'as tout à fait raison, il faut que je fasse ça. Alors ce qui est cool d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais dans le patch 5.22, alors je sais pas si c'est dans le patch 5.22 ou si c'est d'ici après saison 6, mais j'ai pas encore fait le test en fait. Les paramètres du jeu vont être sauvegardés sur les serveurs Riot. Jusqu'à maintenant, t'avais deux instances sur deux PC différentes, t'étais dans la merde, il fallait que tu refasses la raccourci, etc. Quand on voyait les streamers de chez Eclipsia ou autres qui se partagent les PC, à chaque fois ils derrière, ils disent « Oh merde, il y a l'autre, il y a un petit qui m'a mis... C'est un coursier à la con, il faut que je fasse tout, etc. Enfin bref. Et ben maintenant, ça sera un cauchemar, un ancien cauchemar, un mauvais rêve oublié. Alors lui, si c'est pas du Gandalf, je sais pas ce que c'est. Il y aura donc des sauvegardes sur les serveurs de Riot et donc vous le faites en fait, ça va marcher que vous le faites sur le PC, le premier PC sur lequel vous allez vous connecter. Ça va synchroniser sur le serveur de Riot, et ensuite les autres PC vont hériter ces nouveaux trucs. Allez, au compte, c'est cool, ouais. C'est un vraiment terme ordinaire, mais bon, on est sluff. Alors, donc, contrôle 1. On m'a fait ces tatouages quand j'étais en prison. Contrôle 2. Qui est bien. Pas trop d'animation. Contrôle 3. Contrôle 4. Mignon, mais. Donc, même les animations qui sont pas trop travaillées. Après, je connais pas trop Riot, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors, parce que dans les cybercafés, je mets 20 ans à les faire, mais pas trop le rêve, clairement. Le rêver avec l'argent, quand il a, il devra passer s'y faire. Il va pouvoir s'acheter un compte, il va pouvoir se payer un petit chinois qui va lui farmer. Quand ils feront une Riven, plus parti. Est-ce qu'il est sur Riven encore? Non, pas là. Je reviens tout de suite. Bon, du coup, c'est pareil, ça va être assez rapide. What? Je tire pas. Et j'ai quand même le truc. J'ai dû faire la bonne auto-attaque au bon moment. Bref, donc lui aussi, il a passé un skin à 700. Hein. C'est pas un peu. C'est pas un skin de ouf. Vous avez vu que Riot a annoncé qu'il arrive à devenir dead-dev du jeu, il y a Bobox qui était en PLS. Quand on me donne une skin, il faut taper sur barre.
qui... Riven qui est au début du jeu. Je vois pas pourquoi. Je pense que c'était une petite blagounette. Ne me retenez pas. Je vois absolument pas pourquoi. Si on est dans les blagues, je préfère les blagues de... Alors regarde, tu m'as dit Timo qui va être délai du jeu, ça tu peux comprendre, il y a un joueur qui demande. Mais... Alors on va aller prendre l'hôtel. Bon du coup les animations sont pas très intéressantes. Enfin l'animation, enfin, ça reste du. Allons-y du skin à 750. Il n'y a que le Brome qui est un peu sympa parce que. J'ai l'impression qu'il y a un peu des animations. Les animations des sorts sont les mêmes, mais au moins il bouge un peu plus, on va dire. Alors, elle va nous venir nous voir. Je peux vous faire des skins sur Anime. Si quelqu'un a testé le nouveau Graves, non, pas. Ah, j'ai bien loupé. On va le tuer. Ah, il manque un point de valeur. Je suis nul. Bon, je vais back. Je vais un skin potable sur Jinx aussi. Attends, Jinx elle a des skins potables, faut arrêter. Moi je trouve que c'est la meilleure, c'est juste le lol. C'est sûr, une animation de Ryze. Oui, non, les animations de Ryze sont pas ouf. Mais tu vois, au niveau des sorts, il pourrait y avoir. Les sorts pourraient avoir un skin différent. Bon, en gros, tu joues méga safe en verrière, après tu roules sur tout le monde. Ouais, on fait un petit peu ouais. Bon, le back. Ok, encore un bac bien assis quand même, il consulte son bouquin. Est-ce que c'est une animation d'attente ou est-ce que c'est l'animation du truc? Ouais, même pas, c'est l'animation de quand il s'ennuie. Okay. Génial. Donc voilà, pour le Ryze. Moi j'ai pas Ryze. Moi j'ai testé un petit peu le Ryze en l'air. Ça peut, il va être déformé. Ça va être facile à jouer d'ailleurs. On a bien vu la dernière fois, il y avait un Graves contre nous. On a tout simplement défoncé. Alors, on commence à rentrer dans les skins un petit peu plus intéressants, même méga plus intéressants. Puisque nous avons donc un Ekarim. Alors, on va voter. Vous voulez quoi? Illaoi, Azir, elle, on va faire en dernier, ou Ekarim. Et après, Veigar, Gandalf, voici Ryze, Gandalf. Oui, tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors donc, dites-moi les gens, vous voulez quoi en premier? Non, je déconne, j'ai gagné 2€ hier et c'est avec ça que j'ai acheté ma PS4. Ça va, tu vas pas payer trop cher, c'est plutôt cool. Nouveau Azir, ok. Vu que les autres ont l'air un petit peu de s'endormir, on part directement avec ce que tu demandes. Toc toc, faut être torturé. Hop, hop, hache, elle va s'en prendre un cul, mais donc quoi, pas de bol pour elle. Azir, t'es où mon petit pote Azir? Shurima, ton empereur est de retour. Gravelord, Azir. Bon, je vais dormir moi. Il avait l'air vraiment propre. Déjà? Bah écoute, du coup on n'aura pas pu se faire un game. Désolé, c'est toxique, la prochaine fois, pas de soucis. La Tristana on l'a fait en dernier, c'est la plus belle. Et au pire, si tu vas vraiment te coucher maintenant et que t'as pas du tout le temps d'attendre pour la Tristana, de toute manière, ça sera sur YouTube. Donc t'inquiète pas pour ça. Alors lui Azir, il ressemble quand même vachement à comment ça s'appelle Comment s'appelle ce con? Bref, vous savez tous à qui il ressemble. Mais je rigole. Ah d'accord, mais pas aux oreilles quand tu piques. Ah oui, merde, pardon, désolé. Désolé, tu m'y fais penser au moment où je vais back pour la prochaine fois. Je vais baisser le son, tu m'avais demandé. Par contre, il a une bonne tête. On dirait un peu un... Cartus, voilà. Un petit Cartus, mais avec une animation, c'est sympa. Parce que je suis obligé de cliquer ça, évidemment. Alors, contrôle 1.
C'est un pigeon, mais un pigeon qui fait ça. Contrôle-le. Ah, par contre, le pigeon il continue. Ah, j'ai trouvé un bug, c'est rigolo. Vous avez vu? Contrôle 1. C'est un pigeon qui entre dans un bar. Attends. Un empereur doit avoir de la prestance. Ah, je voudrais qu'il refasse le pigeon. Alors, c'est un pigeon qui entre dans un bar. Il va pas refaire le pigeon. En gros, il y avait l'animation du le son du pigeon après. Vous finirez par quand je faisais un contrôle 2. Mais je serai toujours contrôle là. 3. Je sais pas si c'est son animation de base, mais non. Contrôle 4. Alors, donc lui, normalement, on devrait avoir des animations différentes au niveau des sorts. Oui, ça ressemble vachement à un cartouche quand même. Je sais pas, un espèce de mec tête de mort, surtout sur le splash screen, quoi. Ça. Moi, il me fait penser à Israël dans Diablo 3. Oui, c'est vrai. Bon, ça fait penser un peu à plein de monde. Ça fait penser au mec dans Seigneur des Anneaux, là. Comment ça s'appelle espèce de. Le cheval de l'effroi là. Du coup les petits personnages sont sympathiques. Sauron, un peu ça ouais, un mec tête de mort. Ça c'est juste le perso qui s'enrille plein l'un, très bien. Ah, du coup lui on va être obligé d'aller jusqu'au contrôle de niveau 6. Alors, on va taper un peu vite maintenant, est-ce que... de délai qui fait que je peut-être pas sur le coup. Toi t'es comme un débile. Enfin, gratos, ça fait plaisir. Donc ça d'ailleurs ça fait quoi? C'est juste joli. Exceptionnel. Alors tu affiches pas le mana sur tes sorts, aucun rapport avec les skills. Tu affiches pas le mana sur mes sorts? Ah, de combien ça coûte? Ah oui, c'est pas idiot. Non, je... Non, j'ai jamais fait. Interface. Afficher les coûts des sorts. Ouais, effectivement. Merci, c'est pas idiot. C'est vrai que souvent on se pose la question, ah la vache, il me faut combien, etc. Machin, ouais. Et c'est pas idiot du tout. Merci pour le tip. Ok, la petite animation, donc... Donc c'est cool, c'est que vous voyez, si maintenant j'ai enregistré ça sur le prochain PC, je vais me servir du PV. Là, il y aura ça. Est-ce que je peux faire ça? J'ai assez de portée. Par contre, il vient pas la porte. Joignez-vous à moi. Ah, saloperie! Pas le ward. Ok. Fait deux fois. Hein. Moi j'ai le bidule. Non, je l'ai même pas eu. Saloperie. Alors. Je trouve ça vachement pratique.
vérité, Riot a été intelligent sur ce coup-là. Ouais. Je suis une fille ou un garçon, quel est mon prénom? C'est une vraie question. Tous connaîtront le nom de Shurima. Est-ce que c'est une vraie question? Alors, attention, je vais faire le bac. Ah, voilà, ça c'est un bac un peu classe quand même. Voilà. Là on est d'accord. Là on est sur du vrai bac. Le pouvoir du soleil vit à Shurima. J'ai passé niveau 6 et on va voir ce que ça donne. Les petits chevaliers, bon après ça va être des petits chevaliers. Ça va être plein de petits chevaliers de l'apocalypse. T'es un garçon, Gébécic. Et pour le prénom, je suis pas bien sûr. Je sais pas si tu me l'avais dit ou si je l'avais sur le stream une fois. Ou... Ah, par contre, ah oui, très important, la gueule des tourelles. Ah. Et donc on a affaire à du bon Sauron avec sa petite tourelle. On va lui péter la gueule à la grognasse. Ah, pas assez de mana, les défenses. Bien joué, mon gars. Bon, c'est pas grave, on va repousser. Hein. On va utiliser ce sbire. Et donc, grâce à la technique du mana. La loyauté sera non, c'est le coup. Elle n'a pas le voulu que je fasse une scie à pied. Au moins, maintenant, c'est Nikita, c'est facile pour moi. Bah, j'hésitais entre Nico ou Nikito. Kito, ça me paraissait pas mal. Il me semblait que t'étais un garçon. Si le bon skin s'en sent travailler derrière, après ça fait un peu kick coup d'arc, je trouve. Bah oui, c'est bon, les gens aiment bien. Hé hey! Pourquoi je suis pas parti plus loin que ça? Je suis pas censé suivre le mec normalement? C'est quoi cette merde? Je suis pas censé le retrouver collé ou bien? Ah, il s'arrête. Ah oui, c'est ça. Ok. J'avais pas lu tout le sort, si jamais je touche un mec, ah je voulais lui faire une mini sec, bon, je vais refaire un même, mais en virgule cette fois-ci ça sera bien. Alors si tu t'appelles vraiment Nikita, du coup je comprends mieux, parce que tu me disais que j'étais sexy et tout, je sais pas quoi. Parce que t'es une fille et que t'es amoureuse de moi en fait, c'est pour ça. Je comprends mieux, tout s'explique. Alors on va retenter. Alors attention, non, il est trop proche de cette. On va revenir avec un tout petit peu de stuff, on va se faire le R dans quelques instants. Quand tu dashes, les champions te stuff. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, et tu obtiens un bouclier en plus. Ah merde, je suis pas parti sur le personnage, mais... En tout cas, c'est du bon, effectivement, c'est du bon... Un bon petit perso qui a une bonne... Comment on dit ça là, au moins, il y a des vraies animations, c'est cool. Mais par contre, j'ai trouvé un bug, hein, c'est sérieux. Alors, je sais pas si c'est un bug sur le Azir classique ou pas. Ou si c'est un bug sur lui, mais là on est d'accord que... Ah, il fait plus roucoucou là, vas-y, roucoucou là, comment dire. Vas-y, s'il te plaît. Ça fait coucou. Mais je suis un garçon, je rigolais, c'est ce qui me semblait aussi. Parce que je t'avais déjà eu même sur Skype. Mais bon, t'as le droit d'être un brevement en étant un garçon, c'est pas grave. Toc. Bon, il fait pas beaucoup plus, tant pis. Enfin, il le fait pas définitivement, c'est dommage. On va aller péter la gueule à des grognasses, quoi. Du coup, c'est bon à savoir, quand même. Parce que, bon, je sais pas si j'aurai Azir un jour dans la vie, mais il faut savoir que, effectivement, t'es arrivé par un champion. Est-ce que ça fait des dégâts aux champions? Qui a duré 4 secondes et absorbe de... Je suis fémentaire. D'accord, donc en fait c'est juste t'as un... Ce qui est bien déjà, si t'as
C'est un bouclier, mais c'est pas le bouclier genre coupé de ouf. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc du style comme ça? Alors, ok, est-ce qu'on peut faire comme ça? Ok, c'est un mur trop large. C'est pas grave, prochaine fois. Attention, multi. Du coup, la présentation va devenir un peu longue parce que j'ai mal taillé mon truc. Je peux même l'enfermer derrière toi, ça c'est cool. Ça prend un petit coup de toile gratos. Eh ouais. Arrêtez là. C'est pas du tout. Et bien donc on repart sur un dernier petit bac de mon pote Azir qui est joli pour lui. Alors par contre je suis pas sûr de voir exactement le rapport entre les skins chevaliers un peu ambiance dragon machin. Enfin si du coup il représente un peu le méchant dans sa tour, le méchant mage on va dire. Et il est joli, petit pigeon bien travaillé. Alors tu devrais arrêter là non. C'est dommage qu'il dit. Heureusement, ouais, qu'il recoule pas tout le temps. Bah si, non mais ça serait rigolo. Enfin, je veux dire, qu'il recoule quand tu fais contrôle 1, ça serait rigolo qu'il s'arrête pas de... qu'il s'arrête de pas de faire le coucou quand t'as une animation de... quand t'es en émote, quoi. Alors, du coup, j'y pense tout de suite. Tu m'as dit de baisser le son du lobby. C'est ici que ça se fait, hein, c'est ça? Limite, je fais ça. Et le volume de la musique, je fais ça aussi. Comme ça on est bien. Comme ça normalement on est bien. Ça fait moins fort et tout. Ouais genre 5 minutes après franchement je supporterai pas. Non mais là c'est un bug je pense. On va faire Voidbringer Ilaoi, c'est bien. Comme ça ceux qui n'ont pas encore vu le champion en jeu, mais ils vont le voir tout simplement. Et pour les autres ben, qui n'ont pas encore vu le skin, ils vont voir le skin. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont le voir en jeu, plus le skin, et puis ceux qui l'ont déjà. Voilà. Alors, ouf. Avec moi, pas de serment. Alors par contre, je me disais, parce que tout le monde le joue, enfin tout le monde, les différentes présentations je l'ai vu, que j'en ai vu, le joue top à priori. Mais alors, en jungle, ça doit être pas mal fort, parce que comme t'as beaucoup de... comme tu balades dans la jungle, t'as des murs partout. Il y a moyen que tu remplisses la jungle de tentacules, je sais pas s'il y a une limite au nombre de tentacules, mais et du coup ça doit être pas mal, et même en support, je me disais, tu es souvent dans la rivière, etc. Tu peux facilement passer un ou deux tentacules, après ils se font péter vite peut-être, mais ça va arriver Karim juste après. pardon, j'avais pas vu, désolé. Ouais, donc en jungle ou support, ça peut être pas mal, genre comme un Tamken, je crois, un truc monstrueusement horrible. Ah, c'est cassé, c'est un truc, hop. Donc voilà, ceux qui ont jamais vu. Voilà, donc je crée un petit tentacule là. Il y a une tête, on dirait un petit peu le bouclier draconique de Bro, je trouve. Par contre, elle me fait quand même vachement penser en termes de champion tout court, genre Diana mais sous stéroïde, genre une nageuse russe, sauce Diana, tu vois. Alors, contrôle 1, on va se mettre un petit peu plus par là. Contrôle 2. Ah, du coup, j'ai pas fait les animations de mort, je suis con. J'aurais dû tester. Je vais faire l'animation de mort de elle doit être sympa. Contrôle 3. Ah, il y a même les plantes qui dansent avec et tout. Même celles qui sont là. Non. Ah, il n'y a que celles qui sont à côté. C'est sympa qu'il y ait les animations de mort. Contrôle 4. Ah, ça arrive plus maintenant. Ah, si. Ça arrive plus de. Ça racaille même bien, ouais. Donc c'est 20 secondes, c'est ça le. Tout est 20 secondes, ok, ça apparaît. Tu spells, putain, ça fait mal. Ça fait mal cette merde.
Sur l'animation bien, t'as un peu vrai. Ou alors j'ai pas pris les mauvaises runes, mais. Alors ce qui est cool aussi, enfin ce qui est cool, je sais pas si c'est cool ou si c'est cheaté, mais les tentacules sont pas détruits par les tourelles. Par contre, quand elle tape, on sent que ça tape. C'est genre brome, c'est un gros truc qui fait du dégât. Tu sens le coup bien sourd, bien violent. Alors ça fait quoi déjà? On est sur celle-ci là, donc ça c'est un peu le dash façon à l'écho, on va dire. Quand elle touche, elle frappe proche, et ça c'est l'histoire de l'esprit qui est arraché, pardon. Par exemple, là si je vais là, et que je me crée une petite bidule, 5 secondes. C'était pas 5 secondes qu'il avait dit. J'ai compris. C'est 3 minutes 3 minutes 10 sont plus. Ah voilà, on a l'animation de mort en direct. Rien de très exceptionnel. On va aller jusqu'au niveau 6 pour voir un peu toutes les animations. Et on va faire le bac également. Alors, on va faire ça, genre ça, pouf. Très bien, faire beaucoup de dégâts. Animation de bac, ça les aimait pas. Pas mal classe. Elle est pas mal classe. Faut l'avouer. Le perso est intenable en lane, il va être nerf, je pense. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez. Bon, en fait, c'est un peu genre comme un Merdinger, mais en plus puissant, c'est en tank. Il pose des petites tourelles à l'infini, et là ça va être le tentacule à l'infini, et dès que tu fais pas gaffe que t'as un ou deux tentacules un peu proches, ça va être horrible. On va essayer d'arracher l'âme d'un petit champion. Là, si je fais des dégâts sur elle, ça lui fait des dégâts aussi. Je suis un peu déçu, non? Il n'y avait pas une histoire que si l'esprit s'éloigne trop, la cible devient un... Ah oui, donc en fait, il faut que je détruise l'esprit, mais ça fait pas de dégâts. Ouais, il transmet 25% des dégâts qu'il subit à la cible. Ouais, bon, ok. Ah oui, donc c'est que tout le monde qui tape dessus, et même si le mec marche, ça va pas toutes les zones, quoi. Une minute, ça va combien, hein. Vache, c'est horrible comme truc. Et ça traverse les sbires? Ah oui, non, ça traverse pas les sbires. Ça va pas, genre, chercher le champion. Pour moi c'est bien de tenter de jouer parce que ça fait que tu sais que c'est très bien que ça va être un perso qu'il va falloir faire la lame au début. Ouais, on prend pas l'âme de petit sbire, ce qui est logique. Du coup t'as vraiment l'impression que t'as perdu ton sort pour rien. Mais en tout cas l'animation de back va être assez sympathique. Vraiment joli. Les effets de particules, etc. C'est assez classe. Coucou HugoMas80, j'espère que ça va bien. Quand t'as un merde. Ouais, un merde tank si tu veux. Bon, sur un gros tank, c'est insane. Ah ouais, non, ça va être affreux. Et bienvenue à toi, HugoMas, parce que je ne crois pas avoir l'honneur de te connaître. D'ailleurs, j'aurais dû mettre que je fais du PDU, je suis con. C'est pas grave. J'ai fait un sondage sur le nouveau champion. Ah, quel est-il ce sondage? Ah oui, tu peux pas te mettre de link, désolé.
Tentacules qui est ici. Alors ils sont pas autonomes, par contre les tentacules ils attaquent pas genre tout seul. Ils sont passifs tant que tu viens pas, c'est ça. Ah, je pensais vraiment que vous venir dessus. Dommage. Mes oreilles, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un truc là qui te. C'est moi qui ai un problème d'oreille? Enfin, qui était. Il faut que je baisse le son du jeu, c'est ça, Arcanine? Explique-moi tout. J'essaie de te contenter du mieux que je peux. Ou c'est le. C'est le bot qui fait. Pas toi, j'ai cliqué sur le lien de Hugo. Ah. Ah oui, il faut pas cliquer sur le lien que tu connais pas. Et pourtant, normalement, quand ils sont kick. Ah, mais attention les gens. Il faut regarder juste avant de cliquer. J'ai pas cliqué, mais le vrai site c'est Strapol. Et là c'est Strapoeo II. Du coup, c'est une blague, sans doute pas drôle. Un screamer moche. Ça fait quoi l'ultime? J'étais chié dans la colle, c'est ça. Merde. Si je me prends des coups de temps et gratos en plus. Oh bordel, je m'y attendais pas. Merde, qu'est-ce que je fous. Oh bah c'est pas très bon. Alors attendez, petit second. Du coup on va revenir on va capturer le Hugo Mas. C'était assez évident en même temps hein, le coup du machin. Bad news. Paf, voilà, chaud mon gars. Et on va back tranquillement pour voir une dernière fois l'animation du sort. Alors j'ai pas compris du coup, j'ai pas. Pour chaque champion il est touché pendant une semaine, c'est impossible et cible le dé. Oh la vache, là c'est d'être. Putain, quand t'as plein de. Déjà pas mal d'animation, c'est horrible. Ah donc si tu te prépares ton petit nid à tentacules, ça doit être assez horrible. Un dernier petit bac, et puis on va arrêter. On va passer sur le Hecarim avant de finir sur la Tristana. Donc voilà, un joli champion bien pété, et un joli skin. En gros l'ulti, tu mets 3 tentacules autour de toi et elle tape, c'est insane quand un mec résonne. Bah surtout si tu mets et les tentacules et les... de l'ulti plus les tentacules que tu veux peut-être déjà. Donc ça va être. C'est-à-dire que couplé à un autre perso qui va genre faire du CC, peut-être un bro, mon Zaira ou autre, à mon avis, ça va être. Tu dois dire, non, bah, je lâche mon clavier, il n'y a plus rien à faire. Alors, le Hecarim. Hop. En tout cas, pour en revenir juste au blaireau là, qui a mis un lien, faut vraiment faire gaffe les gens. Surtout, je sais pas comment ça se fait que vous ayez pu cliquer sur le lien, je comprends pas. Parce que normalement, il est kick et les liens sont des. Ah, peut-être que ça fait pareil pour vous, c'est-à-dire que moi, je vois, il se fait kick et tous ces messages sont remplacés par message deleted. Et si je clique sur message deleted, j'ai la possibilité de le voir le message en dessous en fait. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que quand ça arrive ce genre de choses, même si c'est un lien normal, on va dire que le mec a été absolument pas méchant et qu'il voulait vraiment poster un lien, le fait de pas demander la permission, si tu veux, de dire ah, là, machin et pouf, le balance comme ça, déjà c'est très correct. Dans l'idée, il faut éviter de faire ce genre de choses, de cliquer. Parce qu'il peut demander la permission, tout le monde demande la permission, je vais vous poser, est-ce que je peux poster un lien, machin.
c'est ça, et j'ai vu que je suis curieux, bah, bah voilà, curiosité est un bien défaut. Alors, un petit Ekarim. Parce qu'il y a déjà pas mal de skins Ekarim, hein, quand même. Qui est fort full color message. Ah oui, c'est pareil. Sans de. Ça va, j'essaie de mettre. Tu veux que je sois plus joyeux, c'est ça. Après, on va faire une game, t'inquiète pas. Choisissez tout de suite si vous voulez faire une ARAM ou une game normale. On va partir en game ouvert directement. Oh. Un petit Ekarim moitié toxique. Un petit Sylvari ou. On a l'impression qu'il recule avec une feuille de salade en vis d'épée. Alors, contrôle 1. En tout cas, il est joli, c'est un vrai skin. Contrôle 2. Contrôle 3. Contrôle 4. Alors, on va taper sur. Toc, sans de l'air directement. Scénarius, game normal, on y est. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Et on va faire un petit bug tout de suite pour voir ce que ça donne. Il est pas mal. Il est pas mal. Vraie animation de bac. Joli avec de la mousse et tout. Des sbires sont apparus. Putain, c'est trop chiant, je peux pas ouvrir Twitter ou Facebook, j'ai fait autant de faire des mains, si j'ai envie de me changer d'idée. Bah écoute, reste sur le stream et regarde pas Twitter, Facebook, tout simplement, parce que effectivement, la télé, sauf, sauf chaîne ultra spécialisée, genre chaîne pour enfants ou autre, machin, t'auras ça en boucle un peu partout avec toujours les mêmes images, les mêmes redites, les mêmes commentaires à la con. Vache. Oh, j'ai réussi à l'astite. Hein, mec. Tout ça. Est-ce que j'aurai le temps? Ouais. On va se soigner. Ah, par contre, si c'est un truc. Sur ce parti là, je me suis pris méga dose. Ah, mais j'ai pas pris. Ah, mais je le disais, c'est marrant, je fais aucun dégât. J'ai pas pris de skin d'objet tout simplement. Je suis un débile. Du coup, je me disais, c'est marrant, j'arrive pas à la slip et tout. C'est compliqué, oui, forcément, c'est assez compliqué. Oui, quand t'es quoi, c'est compliqué de la slip. J'en fous un peu, mais. Ça c'est quoi déjà, c'est la charge rapide, attention on va mettre de la mousse partout j'imagine. Ouais, la charge rapide, c'est midi. Hein. Ok, par contre on met bien de la vapeur toxique un peu partout mais. Ah je l'ai pas eu d'accord. Nickel. Alors, voulez-vous en normal après? L'ulti peut-être, ouais, l'ulti peut-être. Je vais faire l'ulti. On va voir ça. Quand je suis dans le chien, parce que là vraiment l'élastique c'est du. En mode 180 ping plus je vais au moins prendre ça. Hop. Wow, comment je cours trop vite. Et j'ai back en mettant de la mousse partout. Gommade, multi toxique. Il est joli quand même. Pas dire au contraire. Il est pas mal joli. Et on y retourne. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont fait de la mousse. En fait, c'est un mec des marécages, un truc. Ah non, c'est pas de la mousse, d'accord, c'est des feuilles qui sont. Ah oui. Je pensais que c'est une espèce de poison, mais en fait, c'est juste des feuilles qui se barrent en forme de circuit. Je suis trop débilos.
clair maintenant. Pour ceux qui me font un nouveau PC, avec un super écran, comme ça je verrai beaucoup mieux. Hop. Allez, je suis tout seul. L'animation du boulet est belle quand tu folles de l'Asie. Oui, oui, c'est vrai que c'est joli, effectivement. On va se relever un peu d'ailleurs. Ça va nous faire du bien. Hop. Ouais. Il y a des espèces d'effets de particules. Enfin, genre. Ambiance. Chaleur. C'est joli. C'est effectivement c'est des petits détails qu'on voit pas tout de suite. Mais tu as raison. Si j'avais de l'argent. Bah, demande à Little Toy, apparemment ça aussi fera les tables à gagner 200 euros. Oups, la rando. Je vais revenir avec un petit peu de mousse. Alors, toc, c'est parti mon kiki. Coucou Mums95DZ, j'espère que tu vas bien. Non, j'ai l'impression que je suis plus gros. C'est en rapport avec l'ulti ou... Non, j'avais l'impression. En tout cas, il est joli. L'animation de l'ulti est jolie. Ça va, bah écoute, ça va. On se remet en ambiance, on se détend, on se change des idées. Alors, là j'en suis... j'ai quasiment fini tous les skins. On a plus que la Tristana, ça sera sur YouTube. Si tu veux voir les nouveaux skins qui vont sortir, qui sont sur le PVE, tu pourras aller voir. En tout cas, celui-là, il est plutôt joli. Les gens qui jouent au Karim, c'est un peu plus... c'est original, quoi, ça change. C'est, ouais, clairement, ça change. Hop. Et... le dernier. La Tristana, que tout le monde attend maintenant. Tristana, merci. Ouf, ça coûte vraiment pas cher sur PB, c'est plutôt bien. Allez, prends. Sérieux, créer une partie. Tac, tac, tac. Alors, petite Tristana. Tristana. Canonnière de Bendel un jour, canonnière de Bendel toujours. Eh oui. Ah merde, j'oublie à chaque fois de faire des animations de mort. Parce qu'en plus, je crois que celle-là, l'animation de mort particulièrement travaillée. Tu étais plus gros parce que tu avais zoomé, je crois. Ah, peut-être. Le skin de Tristana. Ouais, ouais. Il est très, très, très joli, très mignon. Et je crois qu'il est aussi super triste. J'attends de faire mon ordre et de pouvoir parler. Pas de soucis. Pour prouver que tu... C'est vraiment ça, sa nouvelle voix. Bah, elle a toujours eu cette voix-là, il me semble, non? Ça, c'est pas une voix différente par rapport au skin, hein. Il semble pas. Donc... attention avec tes cornes et tes dents et ta queue. Ah ouais, peut-être un petit peu... ouais, un petit peu différent, peut-être, effectivement. Ah, mode de vitesse, d'accord. Ils se sont pas trop fixés sur ce qu'il fallait faire. T'sais.
faut faire deux fois les bottes de vitesse, hein. faut pas hésiter à quoi vraiment vite avec les stars. Ouais, c'est vrai qu'elle a peut-être une voix un petit peu moins, comment on appelle ça ? Bienvenue dans la forêt torturée. Un petit peu moins de petite gamine énervante, on va dire. Alors, contrôle 1. Attention. Vise. Mais non, pas moi. Contrôle 2. J'aimerais pas être à ta place. Contrôle 3. Mettre en face. Alors que le contrôle 3 ça change un peu. Et attends, contrôle 2 ça change ou pas? Non, c'est toujours la même chose. Ah, c'est le contrôle 3 qui change un peu. Contrôle 4. Très mignon. Très très mignon. Alors c'est parti. Je crois qu'il te faut des bottes de vitesse, je crois aussi. Ouais. Elle avait une différente à une époque lointaine. Ouais, elle avait une voix un tout petit peu plus. Mais je suis pas sûr en fait, c'est peut-être. Ouais, c'est joli quand même. Merde. C'est pas bon, je l'ai tué, ça sert à rien. Bon, ça y est, ça ramouillote un peu, hein. Ouais, j'adore, je le veux. Ouais, mais clairement, il est pas mal. Ça fait partie des skins, genre comme le skin pompier ou autre, qui sont vraiment. Qui sont vraiment bien travaillés. Ah, même l'animation de l'explosion et tout, de la lave. Il a l'air super inflammable, quoi. Bon, on est pas là pour la cible, hein, heureusement. Ça ne change pas. L'esprit mal tourné, donc moi je dois avoir juste une fille qui est tout son dragon pour le faire jaunir. J'ai déjà le casque sur Triskana en comptant un Riot Gear. C'est là, hein, tu peux te prendre le dernier. Alors attention, le petit saut. Et là c'est le drame, pas une animation de bac. Oui, voilà, c'est bon, si je pense vu comme ils ont. Attends, les mecs ils ont travaillé le taunt machin tout. Tu me fais croire qu'ils ont pas fait l'animation de bac. Je pense que quand même. C'est un peu publicité mensongère. Alors. En plus avec, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a le chien qui fait un petit rugissement de chien. Il fait penser un petit peu au chien dans comment ça s'appelle, dans le petit dessin animé avec Flash là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, Volt, voilà. Le petit chien qui se croyait super haut, là il y a personne. J'ai pompier, rocagnard, rien et elf, sérieux, ils se foutent pas de notre gueule, je sais plus tout. Ouais, c'est abusé hein, de faire des jolis skins. Attention, l'émission de like, est-ce qu'il y en a eu ou pas? Tout de suite voir ça, on se rapproche un peu. Donc, quand même. Ok, je suis débile. Voilà. Alors, attention. C'est quoi qu'elle lui lance? Bon, disons que il y a plus d'impressions. Votre tourelle a été détruite. Plus impressionnant, mais il est pas mal. Vous voler un morceau dessus. Volt, voilà, exactement, c'est ça. Stop le suspense là. Et on va aller se faire lui.
Ouais, peut-être tanner un petit peu du... Non, pas tanner du tout, du quoi que ce soit, du nectar. J'ai coupé le truc. Moi j'ai twist in the Raven, sauf change. Ah, ça c'est triste. Ne faites pas attention à nous. Ah merde, je voulais faire un truc super trop génial, puis ça a pas marché. Ça, j'ai loupé avec le délai. À louper, pas de bol. Du coup, on voit qu'il n'y a pas d'animation. Si, j'ai pas vu s'il y avait une animation mort. Il me semblait qu'il y avait une animation mort, je suis un peu déçu. C'est une animation de suicide, j'ai pas eu l'impression. Je me suis fait bien. Il faut que je remette parce que il me semblait que c'était un peu triste quand elle mourait. En tout cas, j'ai vu une vidéo où c'était vachement triste. Alors, je voudrais le faire en fait, parce que je vais prendre un brouillard de guerre, ça se voit pas. Je vais faire hors brouillard de guerre. En tout cas, les animations sont plutôt vraiment jolies. On va se suicider tout autour. Alors, si j'ai encore une toile vivante, ça serait pas mal. Poussez-vous les petits vivants. J'ai besoin, très bien. Il me semble que c'est super triste, attention. C'est un peu triste, on est d'accord. Un petit peu triste. Ouais. Toc. On va quand même mettre un outil dans la bouche du grenier. Parce que après tout, il a bien mérité. Il a cheaté comme un chino. Hop. Oh là là, j'ai des super bottes. Saloperie! C'est trop foireux. Je l'aurais pas. Après, je l'aurai au prochain coup. Déjà, on va aller le provoquer. Ah oui, sérieux, je crois que le. Comment ça s'appelle, les raccourcis sur le PVE pour avoir l'attaque auto. Il va venir forcément me chercher des noises, non? Ouais, okay. C'est une manie de... Ah, très bien. Ok, super. Suicide. Ah, c'est trop triste. Ah merde, donc dans le brouillard de guerre, on veut pas. Bon, c'est un petit boulet de canon, on n'a pas bien vu. Mais c'est un petit boulet de canon, rien d'exceptionnel par rapport au reste. En tout cas, il est vraiment très joli. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, parce que Tristana est vraiment classe. Voilà. Bon, donc c'était à peu près tout pour le. Entre les noms, je fais des papouilles. Tout est comestible, hein. Dommage que le dragon grossisse pas pour. Enfin, je sais pas s'il devient de plus en plus gros, genre à la fin le portrait sur l'épaule, un truc comme ça. Très rigolo. Qui grandiste. D'ailleurs, c'est pas un. Si, c'est un petit dragon, enfin un chien dragon. Chien. Chien gros. On va dire.
Pro player. Ouais, coucou mais ça voulait. Non, ouais, clairement pas. Non, non, j'ai chié dans la colle, puis en plus, là, j'ai un peu de lag, donc je voulais faire un truc. Bref. Là, je me suis suicidé d'exprès. En fait, je voulais remontrer la mort si tu ne l'as pas vue. C'est un petit peu triste, net, en fait. Quand elle meurt, il y a le petit chien qui vient la renifler en disant « T'es pas avec toi ?» Et voilà. Du coup, le Renekton, il va revenir du côté de la gueule. On va quand même essayer de remettre l'outil et qu'on le voit mieux, cette fois je vais pas mieux le regarder, c'est plus intéressant. On va aller full dans sa face. 4, 3, 2, 1. Eh ben attends, oh, finis pas la game quand même. Oh. Ah oui, peut-être pas bien là. Et voilà, on finit bien le petit bac avant d'y aller. Et on va partir en game. Donc, je sais pas trop ce qu'elle lui balance, c'est des petits morceaux de poisson. Et c'est des petits poissons, ouais, ok. C'est des petits poissons. Bref, voilà, donc c'était la fin du PV. On va partir maintenant sur une petite.